Il y a un préalable à toute formation sur le vivant, notamment en ce qui concerne les arbres. S'il n'y avait pas d'arbres sur Terre, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas de sol. C'est-à-dire que tous les sols fertiles de la planète ont été fabriqués par les arbres. Donc sans arbres, il n'y a pas de sol fertile. C'est-à-dire que même dans les endroits où on ne voit plus d'arbres, les champs immenses qu'on continue à cultiver de manière intensive, s'il n'y avait pas eu des millions d'années d'arbres dessus, il n'y aurait pas de fertilité sur ces sols-là. Donc c'est important de comprendre qu'on pourrait, plutôt que penser équivalent pétrole, il faudrait peut-être imaginer les choses comme équivalent arbre. C'est un préalable à tout le système de vie sur la planète, en fait. C'est ça qui est important de comprendre sur ce qui est terrestre. Un arbre, c'est pas un individu tout seul comme ça qui vit, hop, il est là et puis il vit avec ce qu'il y a autour gentiment. Non, c'est un arbre, c'est un organisme complexe qui n'est pas simplement que le végétal que l'on voit. C'est le végétal que l'on voit, mais c'est aussi le lien avec tous les éléments vivants autour, c'est-à-dire les micro-organismes qui sont en symbiose avec le système racinaire, avec les feuilles, avec les écorces, avec les lichens, avec les champignons. Et puis en fait, finalement, si on dérive, on comprend que les insectes aussi y sont pour quelque chose, ne serait-ce que pour la pollinisation, que les oiseaux, que les mammifères y sont pour quelque chose. Donc chaque partie de ce mécanisme-là, de ce fonctionnement-là, qui tourne autour de l'arbre, est absolument indispensable à l'équilibre des végétaux, et notamment des végétaux ligneux. À partir du moment où on va commencer à cultiver, ou on va commencer à dériver vers une culture un peu plus spécifique, on va créer un déséquilibre en enlevant une des parties. Et ce déséquilibre, je pense, sans trop de démagogie, le nommer, en fait, on va pouvoir le nommer comme maladie. Le maladie, c'est marrant, quand la maladie, le maladie. Et j'aime assez le dire de cette manière-là, parce que finalement, j'ai l'impression que dans l'agriculture, on a souvent tendance à essayer de régler les problèmes sans avoir cette vision globale des choses. On a du mildiou, est-ce qu'on va essayer de régler le problème lié au mildiou? Non, on va directement taper sur le mildiou. C'est-à-dire qu'on a mildiou, maladie, maladie, cuivre, on tape sur le mildiou. Mais en fait, tous les ans, on a du mildiou, donc on ne règle jamais le problème. On est en permanence en train de corriger, pour un temps, pour un moment, corriger le problème. Donc c'est-à-dire qu'on est complètement coupé de notre capacité à améliorer les choses. C'est d'autant plus vrai qu'on commence de plus en plus, qu'on finit par planter toujours les mêmes végétaux au même endroit, qu'on diminue la diversité dans ce cadre-là. Tout ça, c'est assez paradoxal, parce qu'on pourrait penser que je suis en train de faire une espèce une espèce d'hymne à la nature immaculée qu'il ne faut absolument pas toucher et laisser faire. Et c'est pas mon propos du tout, puisqu'on s'aperçoit que l'activité humaine, l'activité agricole est un stimulant de la diversité, est un stimulant de l'évolution de la diversité. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas nécessairement en laissant faire complètement la nature que les choses se passent au plus rapide. Elles se passent, mais dans des échelles de temps beaucoup plus longues et avec une inertie beaucoup plus importante. Alors que nous, en tant qu'humains, en tant qu'individus, on a cette capacité-là à intervenir, et intervenir en ayant conscience des équilibres et en venant et en apportant notre petite action qui stimule et augmente cette diversité. Je dirais que finalement, c'est ça peut-être que l'on appelle être un jardinier, c'est travailler à donner des impulsions et accompagner cette diversité, mais tout cela dans un but, c'est d'avoir des cultures saines et des alimentations, une alimentation saine en fait, produire des aliments de qualité.
vous allez voir que là, bon, il y a, un petit côté un peu philosophique, mais plus ça va aller, plus on va être dans un truc assez scientifique en fait. Et moi j'aime assez quand la science comme ça, elle est au service de la conscience. C'est-à-dire que en tout cas c'est le processus qui s'est passé en moi, c'est d'aller faire ces formations à l'INRA, pas forcément super ouvert l'INRA sur le côté spirituel des choses, hein, mais en fait le fait de comprendre les mécanismes du vivant. De la manière dont ça, dont c'est expliqué, et de le relier au vivant directement en l'appliquant, ça permet justement cette confiance sur le regard et cette écoute en fait, cette précision d'écoute. Et donc je trouve ça, c'est vraiment très intéressant. Et vous allez voir, j'espère que vous le vivrez de cette manière-là. En tout cas, moi ça m'a beaucoup enrichi et ça a beaucoup, ces connaissances scientifiques ont beaucoup alimenté ma spiritualité. C'est étonnant, mais si je peux aller dans ce sens-là, quoi. Donc finalement, donc je disais que cet organisme global là qui était l'arbre, c'est le cas en fait de tous les organismes vivants finalement. Nous on se sent un peu seul là et bien égotique en se disant bah je suis puissant et ultimement puissant, mais en fait finalement on est aussi un organisme complet et complexe. C'est-à-dire que sans les levures et les bactéries dans notre système digestif, nous ne sommes rien en fait, nous ne pouvons pas fonctionner. La même chose sur notre peau, la même chose. En fait, on fonctionne un petit peu à l'image de l'arbre, malgré tout. C'est cet aspect-là un peu magique que il y a certaines règles de fonctionnement du vivant qu'on peut arriver à transférer ou à analyser de la même manière. Bon. Il faut quand même se méfier, on verra, de ce côté anthropomorphique, parce qu'il y a certaines fonctions de l'arbre, notamment cette idée de cicatrisation là qui est complètement obsolète. On peut pas l'imaginer comme ça chez les végétaux. La cicatrisation, ça n'existe pas chez les végétaux. Donc il y a des choses qu'on peut pas transférer. Mais malgré tout, les arbres sont des maîtres sur leur manière de fonctionner, sur leur manière de se développer. Si on se focalise un petit peu plus sur l'arbre et essayer de comprendre un peu quelle est sa place en fait, quelle est sa place dans les processus du vivant. En fait, on va voir que l'arbre il a une connexion optimisée entre ce que je vais appeler ici le catalyseur tellurique, donc la partie sol, et la partie extérieure du sol qu'on va appeler catalyseur cosmique. Donc là, quand je dis tellurique et cosmique, l'idée c'est que cosmique, il y a autre chose que juste qu'on a sur Terre, il y a aussi forcément la Lune et tout ce qu'il y a autour, donc tout ce qui est extérieur à la Terre, et puis tellurique, tout ce qui est la Terre est aussi lié au magnétisme, et tout ça, il en parlait tout à l'heure, donc il y a une importance importante. C'est pour ça que j'ai parlé de catalyseur tellurique et catalyseur cosmique à ces endroits-là. Tous ces éléments-là ont un vecteur principal, qui est le vecteur magique sur notre planète, c'est l'eau, en fait, voilà. Donc l'eau, c'est de l'eau qui est épurée de tous ces éléments, l'eau de pluie, on pourrait l'imaginer comme un peu, ou même l'interpréter comme la molécule d'eau, comme le plus petit aimant qui soit. Donc en fait, quand elle va tomber sur le sol, cette eau, issue de la pluie, elle va être vorace et se charger de tous les éléments qu'elle va rencontrer. Donc imaginez que c'est un aimant, donc si elle tombe sur le sol, tout ce qui est acide humique, minéraux, elle va se charger et devenir intéressante du coup en se chargeant pour les végétaux. Elle se charge notamment de matières minérales et de matières organiques. Ces matières minérales, ce sont les matières issues de la décomposition ou de l'érosion des sols. Donc les sols, ça peut avoir plusieurs origines. Il peut y avoir des sols qui sont d'origine volcanique magmatique, comme les basaltes ou effusives, donc basalte pouzzolane, effusives comme les roches, les cendres ou les scories, des choses comme ça, des roches comme ça. Et puis elles peuvent avoir aussi des origines magmatiques, mais souterraines, qui sont les roches métamorphiques, comme le granit, le gneiss, quelques schistes. Et donc, en s'approchant petit à petit du sol, elles se fragmentent. Donc, j'ai parlé des roches volcaniques et métamorphiques, mais aussi tout ce qui est roches sédimentaires, donc qui peuvent être à la base issues de roches volcaniques, d'ailleurs, ou métamorphiques, comme les grès, qui sont des sables qui ont été compressés, ou alors tout ce qui est calcaire, en fait toutes les sortes de calcaire qu'on va pouvoir trouver. Donc ces roches-là vont se retrouver
petit à petit dégradées et fragmentées en morceaux. Donc on va appeler ça des pierres, puis après des graviers, puis des sables, et puis refragmentées encore des limons, et puis fragmentées encore. Certains matériaux même se comportent comme des argiles. Donc ça, ce sont des granulométries de matériaux, ce ne sont pas des matériaux intrinsèques. Le limon, ce n'est pas un matériau, c'est une granulométrie, c'est une finesse de matériaux. L'argile, de la même manière, c'est une finesse de matériaux, avec en plus quelques modifications qui fait que plus c'est petit, plus on a une modification de la manière dont les choses s'agencent et dont les minéraux s'agencent entre eux, qui fait qu'on a des comportements différents, qui fait qu'on a une sensation de matériaux différents. Et ces matériaux-là se retrouvent, plus on est proche du sol, plus ils se retrouvent finalement fins et aussi en contact avec les éléments végétaux tombés sur le sol et ces végétaux tombés sur le sol dégradés par les micro-organismes du sol, vers de terre, collemboles, et puis d'ailleurs aussi animaux, insectes qui consomment ces matières et les fragmentent. Et ces matières-là fragmentées forment ce que l'on appelle l'humus du sol. Donc la connexion entre cet humus du sol, donc ces matières végétales décomposées, et cette matière minérale aussi décomposée, également aussi par d'ailleurs les bactéries font un travail assez remarquable sur la décomposition des minéraux, forment ce que l'on va appeler le sol. Donc l'eau, en rentrant en contact avec ça, va se charger de tous ces éléments-là, découpés en petits morceaux, en quelque part. Hein. Et elle va se charger, et c'est cette eau-là que l'on va appeler sève brute, en fait. C'est ça que les racines des végétaux vont absorber en tant que sève brute, de l'eau, et des sels minéraux et des acides humiques. D'accord ? Cette sève brute va monter dans le végétal, dans la partie cœur du végétal, dans le bois, par l'effet de l'évapotranspiration. On y reviendra, en fait, c'est le moteur de la circulation de la sève brute, donc de l'eau et des sels minéraux, c'est l'évapotranspiration. Ça, c'est une sève qui n'est pas vraiment directement nutritive. Il va falloir la transformer pour qu'elle soit nutritive pour la plante, en fait. C'est simplement une sève qui va circuler dans la plante, qui aura plusieurs rôles, on y reviendra aussi, mais qui va circuler dans la plante et aller jusqu'au niveau du feuillage, être évapotranspirée par les stomates, un peu comme les pores de notre peau. Là, il y a une espèce de transpiration qui régule la température et qui fait... Donc, il y a plein de rôles. Et cette évapotranspiration-là va de nouveau libérer de l'eau et finalement garder, l'eau va s'évaporer, mais les minéraux et les acides humiques vont rester dans la feuille. Et puis après, il y a un échange gazeux avec le carbone et l'oxygène de l'air qui s'opèrent dans la feuille, plus en plus l'énergie lumineuse des photons du soleil qui vont ensemble créer ce que vous connaissez tous, qui s'appelle la photosynthèse, qui va fabriquer, qui va être une en quelque part un processus, une usine, une fabrication d'énergie, puisqu'elle va transformer cette sève brute en sève dite élaborée, qui va être une sève constituée de sucres relativement simples, qui vont être la substance nutritive de toutes les parties en croissance de la plante. Donc cette sève élaborée va redescendre dans la plante en direction des parties qui consomment cette énergie, donc mécaniquement de manière centripète, ça va redescendre dans la plante et nourrir toutes les parties en croissance, également les fleurs, les fruits, toute l'énergie de la plante est uniquement représentée par cette sève élaborée. Mais cette sève élaborée va même donc continuer à descendre dans la plante, donc sur l'extérieur, sur la partie extérieure de la plante, elle redescend sur la partie extérieure, même au cambium, à la partie vivante, elle redescend sur une partie qui s'appelle le libère, donc elle est juste sous l'écorce, et même, je dirais, dans l'écorce, cette sève élaborée redescend. Elle va redescendre jusqu'au niveau du système racinaire, et il va même y avoir... dans la majorité des cas, et c'est même quasiment dans exclusivement tous les cas, la sève élaborée va sortir un petit peu des racines sous forme d'exudat racinaire, c'est-à-dire que la plante va sécréter un peu de sève élaborée, donc de sucre, dans le sol, ceci pour rentrer en contact avec les micro-organismes du sol, dont les champignons, qui eux-mêmes sont incapables de fabriquer des sucres. Donc en fait, les champignons sont absolument dépendants, la plupart des champignons, dont les mycorhizes, sont absolument incapables de fabriquer eux-mêmes des sucres et raffolent des sucres. Donc ils raffolent des sucres pour décomposer la matière organique. Et donc en échange de ces sucres, ils vont décomposer tellement petit la matière organique par leur capacité mille fois supérieure. Un champignon mycorhizien, en moyenne, on pense qu'il a une capacité mille fois supérieure à absorber l'eau et les sels minéraux, la sève brute,
il a une capacité 1000 fois supérieure au système racinaire de l'arbre. Donc imaginez, ça veut dire que l'arbre tout d'un coup se retrouve en connexion totale avec le sol et donc se retrouve en capacité d'absorber davantage de diversité de minéraux. En fait, la vitesse de descente de la sève élaborée, c'est ça dont tu me parles. Mais c'est entre 0 et 1 mètre à l'heure. Oui, oui, c'est quand même assez rapide. Hein. Et c'est beaucoup plus rapide sur la sève brute. Hein. Ouais, ouais. C'est pas gravitaire, c'est un mélange d'absorption par consommation et de différence de potentiel aussi. Le fait que la sève soit de moins en moins sucrée et qu'elle soit de plus en plus sucrée en haut, ça crée un appel d'éléments. Bon, mais ça, c'est encore des choses qui, enfin, sont quand même aussi mal connues. Enfin, c'est bon, voilà. Enfin, ça, c'est moi, j'ai appris ces trucs-là à l'INRA Clermont-Ferrand. Mais ils marchent un peu sur des œufs. Ils disent bon, voilà l'hypothèse. Quoi. Bon, la sève élaborée, la sève brute, sans problème, ils connaissent nickel. Mais la sève élaborée, il y a encore pas longtemps, ils pensaient qu'elle était descendante, quoi. Et c'est que au bout d'un moment, ils se sont aperçus que non, elle était capable d'être ouais, partout. Et d'ailleurs, la sève, j'attire votre attention sur cette idée-là de sécheresse, là. C'est-à-dire qu'un arbre que vous arrosez ici va redistribuer de l'eau ici. Ça, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'on pensait qu'il n'y avait qu'une direction, mais en fait, non. Il régule lui aussi parce que pour fonctionner, ce système de tension et d'aspiration, il a besoin d'homogénéiser son potentiel hydrique. Enfin, c'est assez étonnant. Donc, vous pouvez arroser un végétal que d'un côté, vous pouvez être sûr qu'il ira en relarguer de l'autre côté pour homogénéiser la tension dans tous ces vaisseaux. Ça paraît un peu logique finalement. Enfin, on verra que ça paraît logique puisque c'est un système hydraulique, donc c'est un système sous tension. Enfin, on va faire un peu de plomberie, on va voir. J'ai une question à poser sur les réseaux mycorhiziens. Tu disais qu'ils n'aiment pas la concurrence. Donc, l'arbre est connecté à son réseau mycorhizien, mais son réseau mycorhizien, il est mono-spécifique, c'est-à-dire c'est qu'une seule. Ou est-ce qu'il y a plein de réseaux mycorhiziens et eux collaborent-ils entre eux ou pas? Et les champignons, est-ce qu'ils s'anastomosent entre eux? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que leur réseau. C'est-à-dire que deux mêmes champignons vont s'anastomoser, mais par contre, entre deux espèces, a priori pas. Mais bon, après, moi, je suis pas un spécialiste, j'ai juste lu un livre de Jean Garbaille, là, un monsieur de l'INRA. Par contre, par l'intermédiaire du végétal, oui. C'est ça, en fait, c'est que le végétal et les champignons, les champignons jouent le rôle d'intermédiaire entre les végétaux, et les végétaux peuvent jouer le rôle d'intermédiaire entre les champignons. Voilà, le réseau d'aiguillage. Mais en fait, il y a aucune possibilité, aucun intérêt des champignons à se connecter entre eux. Enfin, c'est pas. Par contre, s'il y a un pont, enfin oui, là, ça peut fonctionner. Ouais. Merci. Bon, mais c'est intéressant. En fait, je pense que c'est intéressant de lire ce livre de Jean Garbaille, La symbiose mycorhizienne. Bon, c'est un peu imbuvable, mais une fois qu'on l'a bu, on l'aime bien. Non, c'est très élaboré. Non, puis alors c'est compliqué parce que il y a des sortes de mycorhizes, il y en a plein, des comportements, il y en a plein, et bon, c'est vraiment pas. Et puis c'est encore très mal connu. Hein. On fait plein de supputations. Enfin, on entend beaucoup ces idées de connexion avec le livre de Peter Wohlleben là ou d'Ernest Zurcher là de communication entre les arbres et tout ça. C'est des capacités de communication. Moi, je vois beaucoup de gens. Bah, c'est bien, ça fait germer. C'est étonnant d'ailleurs. On parle énormément des arbres en ce moment partout. Je trouve c'est étonnant. Il n'y a pas de hasard, mais en même temps, bon, je suis assez interloqué. Quoi. Je me dis mais d'où ça vient en fait? Comment ça se fait que tout le monde lise tout le monde est allé voir le film de Peter Wohlleben? Et tout le monde veut lire le livre d'Ernest Zurcher. Enfin, je me dis, bon, bah, tant mieux, mais qu'est-ce qui se cache là-dessous, quoi ? C'est, bon, un bonheur est si vite arrivé, il faut faire gaffe. En tout cas, ça me fait penser à la permaculture et la manière dont est arrivée la permaculture et tous les essais qui sont faits de permaculture sans connaissance. Alors c'est bien, ça va dans le bon sens, mais aussi il y a plein de déceptions. Et aussi, bah, faut imaginer que tous les arbres ne peuvent pas communiquer entre eux parce qu'il y a plein de sols qui sont complètement détruits en fait. Et les sols vivants, il y en a peu, il y en a presque plus. Et donc c'est un peu compliqué. Pour les arbres, de continuer à communiquer comme ça. C'est un peu comme si on leur squeezait Internet, quoi. Donc, c'est pas si simple que ça, et c'est pas parce qu'on a un arbre dans le jardin qu'il communique directement avec notre rosier, quoi. C'est pas. On s'aperçoit que ça, c'est. Enfin, bon,